بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات عظم الله من شأن التوكل وجعله الله من منازل الدين قال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه وجعله الله سببا لنيل محبته حيث قال تعالى إن الله يحب المتوكلين وجعله الله شرطا لحصول الإيمان به حيث قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهو مقام جليل القدر عظيم الأثر فريضة من رب العالمين وفيه منعة من الشيطان منزلته أوسع المنازل وأجمعها أقوى السبل عند الله وأحبها أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم هم أئمة المتوكلين وقدوتهم قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وقال الخليل عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وقال يعقوب عليه السلام إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال رسل الله لأقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la confiance qui doit être placée en lui, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre. Et il a montré que d'avoir confiance en lui, subhanahu wa ta'ala, fait partie des actes du cœur les plus importants. Allah azza wa jal l'a cité en parallèle avec son adoration, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans surat Hud, adore-le et place ta confiance en lui. Et Allah azza wa jal a fait d'avoir confiance en lui une voie qui permet d'obtenir la satisfaction et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit azza wa jal, Allah aime ceux qui placent sa confiance en lui. Et Allah azza wa jal a même fait de cette confiance une condition pour avoir la foi complète lorsqu'il dit azza wa jal, et c'est en Allah qu'il faut placer sa confiance si vous êtes croyant. Et placer votre confiance en Allah,
si vous êtes croyant. C'est donc une place immense, car le fait d'avoir confiance en Allah Azza wa Jal, et c'est un ordre du Seigneur des mondes, et le fait d'avoir confiance en Allah Azza wa Jal sera un bouclier pour toi contre le diable, et sera la voie la plus ferme que tu auras empruntée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam d'avoir confiance en lui subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Et ceci a été adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres envoyés et prophètes d'Allah azza wa jal sont les guides de cette communauté concernant le fait de placer sa confiance au Seigneur des mondes. Allah azza wa jal a cité concernant les prophètes et envoyés les preuves qu'ils plaçaient leur confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal en parlant de Nuh alayhi salam lorsqu'il a dit à son peuple: si mon séjour parmi vous, c'est-à-dire si le fait que je sois parmi vous en tant que prophète, et mon rappel, et le fait que je vous appelle à ordonner à Allah seul sans ne rien lui associer, si tout ceci est pesant pour vous, alors c'est en Allah que je place ma confiance. Et Ibrahim alayhi salam a dit, comme on informe Allah azza wa jal, qu'il a dit: ô notre Seigneur, c'est envers toi que nous plaçons notre confiance, et c'est vers toi que nous nous repentons, et c'est vers toi que nous retournerons. Et Allah azza wa jal a dit en parlant de Hud alayhi salam, qui a dit: je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et il a dit azza wa jal en parlant de Yaqub alayhi salam, qu'il a dit: la décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la place en Allah. Et Shu'aib alayhi salam a dit, comme on informe Allah azza wa jal, et ma réussite n'est qu'entre les mains d'Allah, c'est envers lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je me repens. والله جعله أي جعل هذا التوكل صفة لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والشيطان لا سلطان له على عباد الله المتوكلين قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والتوكل مانع من عذاب الله كما قال عز وجل قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وأيضا التوكل موجب لدخول الجنة قال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يا الله عز وجل du fait d'avoir confiance en lui, une caractéristique des gens de foi qui les distingue des autres. Allah Azza wa Jalla dit: les croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est prononcé, leur cœur frémisse, et lorsque ces signes sont lus sur eux, cela fait augmenter leur foi et ils ont confiance en leur Seigneur. Et le diable, comme je l'ai dit, n'a pas de pouvoir sur les serviteurs d'Allah qui sont confiants en leur Seigneur. Allah Azza wa Jalla a dit, en s'adressant au diable, ou en parlant du diable, il n'a pas d'emprise sur ceux qui ont cru et sur ceux qui ont placé leur confiance en Allah. Et le fait d'avoir confiance en Allah Azza wa Jalla épargne de l'enfer et fait entrer au paradis, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla. Et quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons dans le paradis, sous lequel coulent des ruisseaux pour y rester éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui ont fait du bien, qui endurent et placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. Bel ayyuhal muslimuna wal muslimat,
المتوكلون حقا يدخلوا الجنة بغير حساب كما وصفهم نبيهم بذلك في الحديث الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام عن الذين أو عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقيا ولا يكتؤون أي لا يتداوون بالكي ولا يتطيرون أي ولا يعتبرون بالتطير التي كانت من عادات المشركين وهو يعتبر من الشرك والعياذ بالله وعلى ربهم يتوكلون الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ثم اعلموا أيها المسلمون أن التوكل على غير الله ظلم وامتهان وسؤال المخلوق للمخلوق سؤال من الفقير للفقير قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومتى التفت القلب إلى غير الله وكله الله إلى ما التفت إليه وصار ذليلا مخذولا قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. Et sachez également que parmi les mérites de ceux qui placent leur confiance en Allah Azzawajal, c'est qu'ils feront partie de ces 70 000 personnes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui entreront au paradis sans jugement, qui entreront au paradis sans jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné certaines de leurs caractéristiques. Il a dit ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, ce sont ceux qui lorsqu'ils sont malades, ou lorsqu'ils sont possédés par un djinn, ne demandent pas aux autres de lire sur eux, mais ce sont plutôt eux qui lisent sur eux-mêmes. Et ils n'utilisent pas le moyen de cautérisation, qui est un moyen de guérison utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien avant, qui était le fait de se soigner en utilisant des fers rouges pour favoriser la cicatrisation des plaies et autres. Et il ne faisait pas at-tatayyur, qui était une coutume connue à l'époque anti-islamique. Lorsque les polythéistes sortaient en voyage, ils regardaient dans le ciel. Si l'oiseau tournait à droite, alors ils continuaient leur chemin. Et si l'oiseau tournait à gauche, alors ils rebroussaient chemin en croyant que ceci les préserverait d'un mal ou leur apporterait un bien. Et ceci fait partie de l'idolâtrie en islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu en disant et ceux qui placent leur confiance en Allah et le fait donc de placer sa confiance en autre qu'Allah n'est qu'offense et injustice et le fait de placer sa confiance en autre qu'Allah revient à ridiculiser sa propre personne car tu places ta confiance en une créature qui est identique à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et sache que si la communauté entière se réunissait pour t'apporter un bien, il ne t'apporterait aucun bien sauf celui qu'Allah t'a prescrit. Et s'ils se réunissaient pour te porter atteinte et pour te faire du mal, ils ne pourront te faire de mal que ce qu'Allah azawajal t'a prescrit. » Et celui qui se dirige ou qui place sa confiance en autre qu'Allah, Allah Azzawajal le confiera à cette personne en qui il a eu confiance. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'accroche à une chose sera confié à celle-ci. Ayyuha al-Muslimun, inna l'arzaqa biyadillah, fama kana laka minha ataka ala dhi'fik, wa ma ala dhi'fik, wa ma kana li ghayrika lam tanalhu biquwatik, wa rizqullahi la yasuquhu ilayka hirsu haris. ولا يرده عنك كراهية كاره والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي لا تستطيع رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أنكم
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que la pourvoyance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui t'est prescrit comme pourvoyance, tu l'obtiendras même si tu es faible. Et ce qui ne t'est pas prescrit, ou ce qui ne fait pas partie de ta pourvoyance, tu ne l'atteindras pas même si tu es fort. Et sache que la pourvoyance a été partagée entre les personnes bonnes ou mauvaises, musulmanes ou non musulmanes. Allah Azza wa Jalla a dit, il n'y a point de bête sur terre sans qu'Allah ne soit son pourvoyeur. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et combien de bêtes ne se chargent point de leur nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous aviez confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé la pourvoyance, comme il accorde la pourvoyance à un oiseau qui part le ventre vide et revient le ventre plein. فلا تضيع زمانك أيها المسلم بهمك بما ضمن لك من الرزق فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قال حاتم الأصم لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي. لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي. والالتفات للأسباب نقص في التوحيد ومحو الأسباب نقص في العقيدة والإعراض عن الأسباب التي أمر بها قدح في الشرع. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل المتوكلين ولم يخل بالأسباب فقد ظاهر بين ذرعين يوم أحد واستأجر دليلا يدله على طريق الهجرة وحفر الخندق غزوة الأحزاب. فالموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها كما أنه لا يهملها ولا يبطلها بل يكون قائما بها ناظرا إلى مسببها سبحانه وتعالى. Et sachez qu'il ne faut pas perdre notre temps à se soucier de notre pourvoyance et de sa quantité. Sache que tant que tu es vivant, eh bien ta pourvoyance te parviendra. Hatim al-Asam a dit, lorsque j'ai su que ma pourvoyance ne pourrait être consommée par autre que moi, mon cœur s'est apaisé. Et le fait de s'appuyer sur les causes de la pourvoyance et de faire de ces causes la seule et unique raison de ta pourvoyance, ceci est un manquement dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de ne pas donner d'importance aux causes qui te permettent d'avoir ta pourvoyance, eh bien ceci est un manquement dans la foi. Et le fait de s'en détourner, de se détourner des causes qu'il faut prendre obligatoirement, comme le fait de subvenir aux besoins de sa famille. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il faut travailler. C'est donc une cause obligatoire. Et celui qui se détourne de cette cause en pensant que sa pourvoyance tombera du ciel, ceci est une erreur dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui a le mieux placé sa confiance en Allah azza wa jal, a porté une armure pour se protéger des coups d'épée, des coups de flèche dans la bataille de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué les services d'un non-musulman en tant que guide lorsqu'il s'est sauvé de la Mecque pour se rendre à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé la tranchée lors de la bataille de l'Ahzab, ceci pour se protéger de l'ennemi. Il a donc mis en œuvre les causes qui permettront de se protéger de l'ennemi et n'a pas seulement placé sa confiance en Allah azza wa jal en se détournant de toutes ces causes. Le véritable croyant, celui qui a véritablement placé sa confiance en Allah azza wa jal, n'accorde pas d'importance à ces causes, mais cela ne veut pas dire qu'il doit les négliger, qu'il doit les nier ou les délaisser, mais il doit les mettre en pratique tout en plaçant sa confiance en celui qui a fait que ces causes existent.
à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون إذا قوي التوكل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج ولما عظم البلاء ببني إسرائيل وتبعهم فرعون بجنوده وأحاطوا بهم وكان البحر أمامهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون فقال نبي الله موسى عليه السلام الواثق بنصر الله كلا إن معي ربي سيهدين فأمره الله بضرب البحر فصار طريقا يبسا كل فرق كالطود العظيم وأم موسى ألقت ولدها موسى في اليم ثقة بالله وامتثالا لأمره فإذا هو رسول من أولي العزم المقربين ويعقوب قيل له إن ابنك أكله الذئب ففوض أمره إلى الله وناجاه فرده عليه مع أخيه بعد طول حزن وفراق ولما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال من مريم عليها السلام عظم التوكل على ذي العظمة والجلال ولم يبق إلا الإخلاص فأشارت إليه فقالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا فعندها أنطقه الله فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وإبراهيم عليه السلام ترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل صغيرا رضيعا بواد لا حسيس فيه ولا أنيس ولا زرع حوله توكلا على الله وامتثالا لأمره فأحاطهما الله بعنايته فإذا الصغير يكون نبيا وصفه الله بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها والماء المبارك زمزم ثمرة من ثمار توكل إبراهيم عليه السلام. Et lorsque la confiance en Allah Azza wa Jalla est placée en lui, et que cela est fait avec sincérité, eh bien Allah Azza wa Jalla accorde l'ouverture, il accorde la facilité après la difficulté. Ibrahim alayhi salam, qui est parti avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl, en les laissant dans ce lieu désertique où il n'y avait ni eau, où il n'y avait ni personne qui pouvait les protéger. Il n'y avait pas de terre à cultiver. Il les a laissés en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla les a préservés. Et ce petit enfant, Ismaïl, est devenu un prophète et envoyé d'Allah. Allah azza wa jalla l'a caractérisé en disant qu'il était doux, patient, véridique dans ses promesses. Et qu'il préservait sa prière et ordonnait celle-ci. Et l'eau de Zemzem, l'eau bénie de Zemzem, n'est que le fruit de la confiance d'Ibrahim alayhi salam en son Seigneur. Et lorsque les fils d'Israël étaient poursuivis par Pharaon, et lorsque les fils d'Israël accompagnés de Moussa alayhi salam étaient poursuivis par Pharaon et sa troupe et son armée, ils se sont retrouvés devant la mer et ils ont dit, comme Allah azza wa jalla dit, et les compagnons de Moussa ont dit, ils vont nous attraper ou ils vont nous rattraper. Et Moussa alayhi salam a dit, non, Allah est avec moi et il me guidera. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Moussa alayhi salam de frapper la mer. Et c'est alors que des chemins secs, non mouillés, se sont alors créés. Et chaque partie avait la taille d'une immense montagne. Et lorsque la mère de Moussa alayhi salam a jeté son fils dans le Nil, dans son panier, en plaçant sa confiance en Allah Azza wa Jalla et en appliquant son ordre, eh bien, ce petit enfant est devenu un prophète, et même parmi les cinq meilleurs prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et Yaqub alayhi salam, le père de Youssouf, lorsque l'on a informé que son fils avait été dévoré par un loup, il s'en est remis à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal lui a rendu son fils ainsi que son frère, après beaucoup de tristesse et après une longue absence. Et Maryam alayhi salam, qui était au bout de la désespérance,
Lorsqu'elle est retournée à son peuple avec un enfant sur son bras, elle a placé son confiance en Allah Azza wa Jal. Et lorsque son peuple lui ont dit, qu'as-tu fait au Maryam? Elle a fait un signe vers ce nourrisson et son peuple lui a dit, comment veux-tu qu'un nourrisson nous parle? Et Allah Azza wa Jal a fait parler Isa alayhi salam, qui a dit, alors qu'il était nourrisson dans son berceau, je suis le serviteur d'Allah qui m'a accordé le livre et a fait de moi un prophète. فإذا تكالبت عليك الأيام وأحاطت بك دوائر الابتلاء فلا ترجو إلا الله وارفع أكف الدراعة إليه وعلق رجاك به وفوض الأمر للرحيم واقطع العلائق عن الخلائق وناد العظيم وتحرى أوقات الإجابة كالسجود وآخر الليل وهو سبحانه القدير لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال إبراهيم الخواص ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله. Et lorsque les épreuves sont difficiles pour toi, et lorsque les tentations t'encerclent, n'espère que d'Allah subhanahu wa ta'ala, élève avec humilité tes mains en invoquant ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et ne t'attache qu'à lui, et ne remets ton cas qu'à lui, ne t'attache plus aux créatures, mais appelle l'immense et le créateur subhanahu wa ta'ala, et recherche dans ton invocation les heures qui sont propices à l'exaucement, comme la prosternation ou les dernières heures de la nuit, et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant, le capable de toutes choses. Rien ou aucune bête ne bouge sans son autorisation. Aucun accident ou aucun fait n'a lieu dans cet univers sans sa volonté, et aucune feuille ne tombe sans qu'il en ait connaissance, subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, et place ta confiance dans le tout-puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Et Ibrahim al-Khawas a dit, il n'appartient plus à un serviteur qui a pris connaissance de ce verset de revenir à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Masallallahu azza wa jal, أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا للعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يتوكلون عليك. اللهم اجعلنا ممن يتوكلون عليك حق التوكل. اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.